Donc, le chapitre 3, les décisions d'achat, les évaluations, exercice numéro 1. Exercice 1, donc le 2 janvier 2019, trois amis, quatre astiqas, Farah, Fatma et Walid, ont constitué une nouvelle entreprise dénommée Samewa Fatma et compagnie. Et si manéha wa shurakeuha, Fatma et compagnie, dont l'activité consiste à fabriquer puis commercialiser des vêtements. Nashat Mouassa et Amathal Fisona, ou abaya les vêtements. Lors de la constitution de les accords, Yom Takwin, les accords effectués par les trois amis se présentent comme suit. Fatma, j'ai 100 000 dinars en espèces, c'est un apport au numéraire. C'est un apport numéraire. Rappel à la nature de l'apport. Farah, j'ai une machine de confection, machine pour une valeur de 50 000 dinars. C'est un apport en nature. Walid, l'apport n'taou représente 20% du capital. Travail à faire. Quelle est la forme juridique de l'entreprise Fatma et compagnie? Citez les deux caractéristiques relatives à ce type d'entreprise. Quelle est la qualité des apporteurs de capital? Chitsame ou les apporteurs du capital? Quatrième question. Quelle est la nature d'activité de cette entreprise? Et il faut justifier la réponse. La dernière question. On va calculer le capital de l'entreprise et il faut déduire à istantage l'apport de, voilà, la valeur de l'apport de Walid. C'est-à-dire la partie grand A. Je passe vers les réponses. Donc, tout en lisant les questions. Dimanamlo, une deuxième lecture des questions. Je commence par la question numéro 1, c'est la forme juridique. Quelle est la forme juridique de l'entreprise? Je ne sais pas la forme juridique ou SNSLO. Le capital, j'aime des personnes privées ou j'aime l'État. Les apporteurs de capital, c'est Fatma, Farah, Walid. Ils sont trois personnes privées. Ils sont les trois personnes privées. Forme juridique, ils sont les sociétés privées. Point virgule. On va déterminer aussi le nombre d'associés. Le nombre d'associés, qui est le nombre de Farah, Fatma et Walid. Ils sont trois personnes. قلنا كي يبدا عدد لي زاسوسي عدد المساهمين عدد المشاركين ما بين 2 و 7 راهي نسميوها سوسيتي دو بيرسون فوق 7 تتسمى سوسيتي دو كابيتو وتحت 2 تتسمى انديفيديوال بعد نثبتوا في الاسم نتاعها نلقاو اسم احد المساهمين موجود في اسم الشركه اسم الشركه فاطمه اي كومباني هذاك علاش اسم الفورم جوريديك نتاع سوسيتي نتاعنا يتسمى اس ان سي اس سوسيتي ان نو كوليكتيف كيستيون 2 Quelles sont les deux caractéristiques relatives à ce type d'entreprise? Il y a une SNC, société de personnes SNC, ou la caractéristique réfère à la responsabilité illimitée. Responsabilité illimitée. Une mas'oulia ghayr mahdouda. Responsabilité illimitée. Deuxièmement, deuxième caractéristique, on dit que le capital est divisé en parts sociales. Ras el mali enqassem des parts sociales. Le capital est divisé en parts sociales. C'est la deuxième caractéristique. Troisième question. Quelle est la qualité des apporteurs de capital? Je ne sais pas les apporteurs de capital. Les apporteurs de capital, ils sont des associés. Question numéro 4. Quelle est la nature d'activité? Nature d'activité de cette entreprise? Selon les données, Qualty est spécialisé dans la fabrication des vêtements. Ils sont offrés les vêtements. Et avec Alège, c'est une entreprise industrielle. Justification, il y a quelle mette fabrication. Et il y a une entreprise industrielle. Et il y a la quatrième question. Nous sommes sur la question de calcul. Et il y a la question numéro 5. On va calculer le capital. Hatit la formule par capital. Habit tahfad sahiha. La somme des apports moins la somme des dettes. Ama par simplification pédagogique, le programme de la deuxième année, manish qadan hop fi les dettes. Les dettes li huma dyun, ma'naha emprunt ou la dette fournisseur. Donc la formule de la capital, la somme des apports moins la somme des dettes. Donc je n'ai pas le capital. Awalan mish nqoul soit c'est le capital. Ma'nta la lettre C ma fali le capital. Où je commence le calcul. C, le capital, ou la somme des apports. Je m'en ai à la somme des apports.
On a besoin de l'apport entre les trois associés, l'apport, les apports de, donc l'associé Lula Fatma, plus l'apport de l'associé Fenia Farah, plus l'apport de l'associé Khalif Walid. Donc c'est la somme des apports. C, inconnu, le capital. L'apport de Fatma Mawesh inconnu. Fait donner, on a espèce 100 000 dinars. Donc on a la valeur de le chiffre. L'apport de Farah Mawesh inconnu, kif kif, donner 50 000 dinars. L'apport de Walid, fait donner, qui est argent à 20% du capital. 20% du capital, et 20% du capital. 20% c'est 20% du capital. Donc, سي تبقى في بلاصتها هذه سي باش نزوها من الجهه اللي من بعد هذه بلس دونك مش كولي موان 02 سي ايغال جو في لا سوم 100 بلس 50 صافي 150 000 دينار هوني كي نخرجو سي ان فاكتور اعتبارها 1 سي موان 02 سي ستاتينا 08 سي ايغال 150 000 دينار جو في كالكيلي لو كابيتال كابيتال ايغال 150 000 دينار sur 0,8 égale 187 500 dinars. C'est la valeur du capital. La deuxième partie de la question, il faut déduire la valeur de l'apport de Walid. Donc, apport Walid, je nomme déduction, apport Walid, deux méthodes. Apport Walid égale 187 500 fois 0,2. Allez, je nomme fois 0,2. Khadrou, Akali, 20% du capital. Ou le résultat égale 37 500 dinars. Je passe vers la deuxième méthode. Le je me colle apport de Walid égale la somme du capital, les 187 500. Nahi menu total entre les deux apporteurs de capital. Il y a 100 de l'apport de Fatma, moins 50 entre l'apport de Farah. Donc 150 000 dinars. Je trouve le même résultat. معناها باش قيت لابور دو وليد خديت الكابيتال كامل طرحت منه ولا نحيت منه جاي غوترونشي لابور دو لي دو زابورتور الاخرين لي دو اسوسي الاخرين فاطمه وفرح 150 هدية هي السوم نتاع لابور دو فاطمه بلس فرح فوالا دونك كوم سا انا تيرميني لا بارتي ا دون سيت اكزرسيس فاسون مينتنون فير لا بارتي بي dans le même exercice, la partie B. Donc, essayez de suivre la partie B. La partie B. Le 25 janvier 2019, l'entreprise Nafsal Nahkali Aliya Fatma et compagnie, Khatr Hevi B, A ou B, Tebain le Baram. Au Dima Fugestion, Haul on a tiré des dossiers à la Nafsal entreprise, puis Haul on a déoufermé une situation de l'entreprise. L'entreprise a reçu une commande de 1000 blousons. Il y a une couple de commandes de des clients, ils ont à 1000 blousons. À livrer au plus tard, ils ont tout seulement cette histoire au plus tard à la date de 25 février. Donc la fabrication d'un blouson donné, ce sont des données par unité. Une seule blouson nécessite tout blouson ils ont 1,2 mètres de cuir. Le cuir est la matière première à 30 dinars le mètre. Une fermeture à glissière celle-là. À 2 dinars l'une. 3 boutons à 0,500 dinars l'un. Manette à 3 boutons net, fico le blouson ou le bouton 500 millimètres. Un élément de décor mais sur le dos de blouson. Manette à zine à fi, varm ta le blouson. T'es dinars ou 500 travail à faire un ta la fi, des questions de cours ou baran à calcul. Question l'eau ou question de cours. Quel est le service qui doit satisfaire les besoins nécessaires à la fabrication des blousons? Yann et blarbi. Les besoins, les cuirs ou les boutons ou l'élément. Ou le fermeture, je connais le service d'élisme et offrant. Petit 2. Que doit faire ce service avant de satisfaire ses besoins? Service d'élisme et offrant. Petit 1. Il y a une satisfaction des besoins. Troisième question. Quel est le service demandeur et utilisateur des éléments indiqués ci-dessus? Je connais le service d'élisme et je connais le service d'élisme et offrant. Les fournitures ou les besoins et demain. Question numéro 4. Quel est le document établi par le service demandeur pour exprimer ses besoins? Document créé dans le cours. Choix. Document qui est le service demandeur pour qu'il puisse faire les besoins. Question 5. Calculer la quantité nécessaire de chaque composante pour satisfaire la commande. Je vais vous calculer le quantité de la composante pour qu'il puisse faire la commande. Et déduire le montant des achats, en quantité et en valeur. Le montant est en valeur, en dinars.
Des achats. Question. Sixième question, je dis déduire le coût d'un seul blouson. Déduire. Un seul blouson. Je passe vers les réponses. Donc, les réponses relatives à la partie B. Je commence par la question numéro 1. Je répète la lecture de la question. Question est cool. Quel est le service qui doit satisfaire les besoins? Les besoins, les matières premières, l'exercice, les fournitures, les boutons ou les éléments de décor ou fermeture. Je connais le service, l'ISMO, et la satisfaction des besoins. C'est le service achat. Le service approvisionnement, achat, c'est-à-dire approvisionnement. Approvisionnement, c'est la même chose. Petit 2, que doit faire ce service avant de satisfaire ses besoins? Avant la satisfaction des besoins, le service achat doit identifier les besoins. L'étape numéro 1, fait le processus d'achat, doit identifier les besoins. Donc, l'identification des besoins. Donc, question numéro 3. Quel est le service demandeur? En arabe, les outils, le cuir, la fermeture, les boutons, le col, je connais le service qui est le plus. Le service qui est le plus ou le service qui est le plus les blousons. Et donc, allez, c'est mon service production. C'est le service production, elle a la fonction production. Un service production, question rabat, quel est le document établi par le service demandeur? Yani, شنو الدوكيمون اللي لازم يعمرو سيرفيس دوموندور باش يعبر عن الحاجيات نتاعو هذوما دوكيمون هذا قريناه في الشابيتر اللي تابع للمرحله نتاع ليدونتيفيكاسيون دي بيزوان سميناه لا دوموند داشا دوكيمون هذا ابلي لا دوموند داشا دونك سي ان دوكيمون ايتابلي بار لو سيرفيس دوموندور اي انفويي او سيرفيس اشا نمشيو للكيستيون دو كالكول اللي هو لا كيستيون نيميرو 5. Dans cette question, on va calculer la quantité nécessaire pour fabriquer 1000 blousons. Le camion, les immeubles, nous sommes 1000 blousons. Je ne sais pas le montant des achats. Donc, je commence par. Le tableau est déjà en train de dire la question. La quantité et le montant. Donc, le cuir. Faites donner pour chaque blouson nécessite 1,2 mètres de cuir. Donc, je ne sais pas. Le camion, le blouson, le wahda, nous devons faire adapter les blousons. 1,2 mètres fois 1000. Je trouve 1200 mètres de cuir. Bonus va les fermetures. Faites donner kif kif. Chaque blouson nécessite une seule fermeture. Donc 1 fois 1000. Je trouve 1000 fermetures. F non se bien fermeture. Concernant les boutons, faites donner chaque blouson nécessite 3 boutons. Donc, nous sommes 1000. 3 fois 1000, ça fait 3000 boutons. Les éléments de décor, kif kif, on a un seul élément de décor par blouson, on a 1 fois 1000, ça fait 1000 éléments. On a dit les quantités. Les quantités, les imams, toutes les composantes. Yani, pour nous, 1000 blousons, ils ont 1200 mètres de cuir, 1000 fermetures, 3000 boutons ou 1000 éléments de décor. Tu as dit les montants, ils ont dit le prix unitaire, c'est le salaire fardi. Mètre de cuir, 30 dinars, fait donner. Donc, 1200 fois 30, ça fait 36 000 dinars. بالنسبة للفيرميتور لو بري نتاع الفيرميتور في الدوني 2 دينار 1000 فوا 2 سا في 2000 دينار بالنسبة لي بوتون لو بري في الدوني دان سول بوتون 0500 500 مليم لو توتال ايغال 1500 دينار بالنسبة لي زيليمون دو ديكور لو بري في الدوني 1 دينار 500 دونك 1000 فوا 1 دينار 500 سا في 1500 دينار دونك لو مونتون توتال دي اشات. Je fais la somme. Donc, 36 000 plus 2 000 plus 1 500 plus 1 500, je trouve 47 000 dinars. C'est le montant total des achats. Manette habl arabi, la commande kemla, je nous faut aller à 47 millions comme des achats. Donc, je n'arrive pas le coût. Mais les achats, là, moi, je ne peux pas nier il y a d'un seul blouson qui ne peut pas arriver le coût des achats. Et donc, des achats. Donc, d'un seul blouson. Qu'est-ce que nous avons des achats à un seul blouson? Donc, je mets le total, 47 000, les au total. Si la quantité des blousons est égale à 1000, je trouve 47 dinars. C'est le coût global des achats
relative à chaque blouson. Relatif à chaque blouson. Comme ça, j'ai terminé l'exercice ou bien la série d'exercices numéro 1. Tabouna la sabouranée, puis je vais vous donner la série d'exercices numéro 2.